par là? J'en sais rien. J'ai oublié la carte, mon pote. Dis-moi que t'as pas oublié le matos d'Orpailleur. La d'Orpailleur, j'ai jamais entendu parler de ce matos. C'est quoi, une herbe hollandaise? Avec ce nom, elle doit déchirer. Non, les casseroles et les tamis. Pour chercher de l'or, tu saisis? Attends, c'est toi qui as eu l'idée, sérieux? Ah ouais. C'est cool. C'est pas grave, j'ai cherché des infos sur le net et j'ai trouvé des sites historiques où il y a encore de l'or. On pourra y acheter du matériel. Mais ouais. Hey, c'est vrai que t'es jamais allé en vacances sans tes parents? Si tu kiffes les trucs touristiques, ce qu'il y a à voir ici, c'est Kate et moi. Non? Hey, on fait quoi si on trouve de l'or? Genre un gisement qui nous rend super riches. Je m'achèterais un siquarium là où vivent les orques. Je ferais un gros bang avec ça. Oh, t'es pathétique. T'étais un orque, tu crois que ça te plairait? Si j'étais un orque, je fumerais de l'algue. Alors, qu'est-ce que je ferais si on trouvait de l'or? J'achèterais le même bronzage que Vicky. Et ensuite, j'en sais rien, je voyagerai quelques années, puis je m'achèterai une maison pour m'installer, avec une piscine, un énorme jardin, une salle de muscu pour m'entretenir. Et toi, Harry? Qui sait, peut-être qu'avec Kate, on va s'installer et avoir des enfants. Ah, écoutez-le. J'aimerais bien qu'on fasse un bébé tout de suite. Quand t'auras les couilles, on n'en pas avant. Et toi, Ashley, tu ferais quoi? Je crois que je sauverais des animaux. Arrête ton baratin, Ashley, c'est complètement bidon. Non, c'est pas bidon. Si on trouve de l'or, c'est pour acheter des trucs. Et toi, Vicky? J'achèterai une belle paire de Robert et sans doute une énorme décapotable. Et encore une autre plus grosse paire de Robert. Qu'est-ce que tu fais? T'as dit d'aller à droite, je vais à droite. Je t'ai dit ça il y a une heure. Là, il faut qu'on tourne à gauche. Et c'est par là. Écoute, ça devient trop complexe pour moi. Peut-être que tu devrais conduire. On dirait qu'il y a un site, on peut y camper. Je savais ce que je faisais, je te l'ai dit. Moi, j'y crois pas trop à ce camping. Je suis pas sûr qu'il y ait des douches. Oh, quel loser. Bah, on dirait que c'est mort. C'est clair. Regardez. Hé, hey, t'as vu ça? Quoi? Elle? Où elle est passée? Que vous cherchez quelqu'un en particulier? Oh, putain, le con! D'où tu sors comme ça, mec? Surveille ton langage, petit. Un peu de respect pour nos chers disparus. Excusez-nous, mais on est perdus. Et je ne sais vraiment pas pour quelle raison je suis venue. Et si t'es là, c'est parce que tu m'as supplié de t'amener. Tu voulais profiter de l'absence de tes parents pour partir avec mes potes bizarres. On est bizarres, hein? Ça m'éclate. Nous cherchons la rivière et un coin pour camper. Si vous retournez en arrière, vous trouverez le meilleur coin. Descendez la route que vous avez prise et retournez d'où vous venez. Refaites tout le chemin que vous avez fait et rentrez chez vous. C'est quoi ça? Nous on veut camper. Vous nous aidez ou non? Il y a un coin qui s'appelle les Bruyères. Vous voyez au bord de la rivière, on peut y camper. Il paraît que c'est un coin reculé où il n'y a personne, où il n'y a aucune loi. Où ça s'est passé? C'est ce coin que vous cherchez. Qu'est-ce qui s'est passé? Des meurtres. Comment ça, des meurtres? Qui a faim? Moi, j'ai faim. J'ai envie d'une bonne douche chaude et de quelque chose à manger que l'on n'aurait pas tué avant. Ah, Seigneur Wilson. Simon! Jacques! Simon, arrête. Tu risques de te blesser tout seul. Amuse-toi derrière. Mets-toi à l'endroit que je t'ai montré. On ne devrait pas les laisser seuls dans les bois. Ah, ils ont 15 ans, Lonnie. Ah, ils sont pas stupides. M'excuse, ce n'est pas de Simon que je voulais parler. Simon est une véritable crème. C'est un garçon affectueux. Jacques, c'est le contraire. Il supporte pas Simon. Simon? Tu peux te retourner. Jacques, attends,
Je ne me baisserai pas la prochaine fois. Tu sais très bien comment est Jacques. Il est rempli de haine, exactement comme toi. Mais je ne fais pas exprès. Si. Si tu le fais exprès. 40, 50. C'est la première fois que je dois compter jusqu'à 50. Oh, jouons un jeu. Jacques a dit. J'aime Jacques a dit. Jacques a dit, fume ça. Non, Jacques. À la télé, c'est mal. Ça rend zinzin. Tu es déjà zinzin. Cette fois, Jacques a dit, fume comme un train qui fait chou-chou. Chou-chou-chou. Chou-chou. Chou-chou-chou. Ah, il commence à faire nuit. Je vais les chercher. Pas trop tôt. Les garçons! Simon! Et si papa aussi fumait comme un train? Simon, arrête-toi! Arrête-toi! Papa va me tuer, abruti! C'est ça que tu veux! Légende urbaine, je suis fan de ces conneries. Il les a découpées en filets comme des truites. Moi, je suis partante. Les trucs flippants, ça m'excite. Bon, c'est l'occasion ou jamais de profiter de l'absence de mes parents. La maison de campagne est libre. Il y a 3 grandes chambres dispo. Avec tout, piscine chauffée, jacuzzi... Et ça s'est passé il y a des siècles, votre histoire. Comment on y va? Il a été enterré à cet endroit. L'attardé? Ou les filets de truites? Aucun d'entre eux. Il parle de la tombe de William Bonnet, Billy the Kid. Il a tué 19 hommes, un homme par année qu'il a vécu. Sans compter son frère jumeau. Vous pouvez nous dire comment aller à la rivière? Traversez la ville, prenez la première à gauche et continuez jusqu'à ce que vous rouliez dans l'eau. Et elle est où, cette ville? Vous voyez cette bâtisse qui est là au fond? C'est la ville. Où vivez-vous? En banlieue. Ça vous dirait qu'on y aille tout de suite? Merci. On y va, Pete. On a encore une paire de trous à creuser avant midi. Si j'ai bien compté, il y en a 5. Comme ils nous ont mis en boîte. Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi encore? Quoi? Je viens d'avoir une putain de révélation. On s'est fait mettre en boîte. Des fossoyeurs nous ont mis en boîte. Nous voilà en ville. Quelle horreur! C'est quoi cet endroit? J'espère qu'ils ont au moins des toilettes. Zach, ils ont baptisé ce magasin en ton honneur. Ouais, bière. Non, outil de mineur. C'est pas ce que ta mère me disait hier soir. Hey, y a quelqu'un? Bonjour. 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 Y a quelqu'un? Hey Ashley, ce sont tes préférés. T'en veux pas? Quelqu'un a pensé à nous. De vraies jumelles. Hey! On voudrait acheter les 2 bouteilles de whisky. Prends-les, quoi, on est dans une ville fantôme. Il y a toujours un prix à payer. Le mieux pour vous, c'est acheter les bouteilles. Vous pourriez vous retrouver en prison. Ils font d'horribles choses aux filles en prison. Allô, la terre à Simon. Je suppose que vous n'avez pas d'eau diététique. Une eau de source conviendra, mais pas d'eau gazeuse. Il calcule rien du tout. C'est un attardé. Je ne suis pas un attardé. Simon, pas... Fou allié. Pas fou allié.
Simon, pas attarder! Pas fourrier! T'es content de toi, Gronaz? Il est dérangé, à quoi ça rime? Des fois, je me demande ce que je fais avec toi. Excusez mon frère, il a des bons jours et des mauvais. Ouais. Ceci. Et aussi l'essence. Et ça sera tout, je crois. Ouais. Oh, et de la glace. Pas de glace. Désolé, mais en temps normal, nous avons très peu de visiteurs en ville. Donc, pour la glace, il faudra revenir. On doit se sentir seul lorsqu'on vit ici. Vous êtes au milieu de nulle part. Ouais, ben ça aussi, ça a de bons côtés. En particulier si je pouvais partager cette vie avec une fille de rêve, comme vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? La pompe à essence est aussi vide que mes... Oh, j'ai raté un épisode. Est-ce qu'on pourrait payer et s'en aller? Ouais. Et j'ai vu que vous aviez un frigo là derrière. Quelques bières avec le whisky, pas ce serait... Pas de bière. Ah. Ça suffit, mec. Oh, tranquille. Désolé. Les stéroïdes. Et on dirait que c'est vous sur cette photo, hein. Vous avez un frère jumeau? Et vous étiez habillé comme... Billy the Kid, je parie. Coolos. On a croisé des fossoyeurs là-bas au cimetière. Ils disent que Billy the Kid a tué un homme pour chaque année qu'il a vécu. C'est impossible qu'il ait tué quelqu'un quand il était bébé, d'accord? Donc je me dis qu'il a peut-être commencé durant son adolescence. Oh mon Dieu! Lequel des deux es-tu? Peut-être qu'en fait il en a tué plusieurs tous les 2 ans, voire même tous les 3 ans. Il doit y en avoir qu'il a dû tuer juste pour faire le compte. Simon? Simon? Je crois que c'est tout. On vous prend le whisky et on va y aller. Votre argent n'a aucune valeur ici. Vous pouvez considérer ça comme un cadeau que je vous fais. Garde la monnaie. Toi, t'es tordu, mon gars. Un seul coup de fil au service d'hygiène et vous fermez votre boutique. Ça suffit, Poupée, va dans le van. Oui, Poupée, sors de là. Hé, hey, cousin, t'aurais pas des feuilles à rouler, les plus grandes, pour faire un costaud? Fumer peut tuer, crois-moi. Un jour, il faudra bien mourir, mais complètement stone. Peace. Conduire le van. Tu es défoncé. Être ou ne pas être défoncé, telle est la question. Oh, oh. On n'est jamais trop défoncé. Ashley, relax. Et toi, fais tourner. Toi, tu fumes des joints. Et depuis quand? Depuis quand? C'était à l'enterrement de ma grand-mère. Je devais avoir 12 ans, je C'était crois. C'était pas la première fois où t'es allée à la chorale? Ouais, c'était peut-être là. Une bédo veritas. Hé, hey, tu devrais goûter à ce matos. C'est ce qui tourne à Beverly Hills, de la weed de designer pour les acteurs. T'as déjà entendu parler des fumeurs passifs? C'est une pratique sexuelle. Ok, je mets plus ma fumée partout. Je la recycle pour derrière. Tu veux qu'on soit malade? Envoie. Attrape. Oh ouais, avale ça. Allez, avale tout, avale tout. Oh, c'est très sexy. Non. Vous pourriez pas un peu vous tenir? Tu veux me la tenir? Oh. Ah, y a pas de problème. La voir, ce serait déjà bien. Wouh! Ouvrez les yeux! Si tu crois qu'il le fera, tu rêves. Je crois le connaître mieux que toi. Je te rappelle que tu l'appelais le tocard à une époque pas si éloignée. Avant d'être aimé, il sait se faire détester.
Et quand on l'aime, il sait aussi se faire détester. Les filles, vous allez voir un truc que vous avez jamais vu. Je suis pressée de rajouter ça à ma collection. T'emballe pas trop vite, Vicky, il y aura pas grand-chose à voir. Oh, wow. Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà pourquoi les mecs ont deux boules. Et c'est comme ça qu'on compte sa monnaie quand on est exhibitionniste. Quel crétin! Je te l'avais dit. Zach! Autostoppeur à 2 heures! Et on a qu'à le prendre? Non! Regardons au moins la tête qu'il a. Pas d'autostoppeur. Je vais te dire pourquoi en 3 mots. Massacre à la tronçonneuse. Ça fait 6 mots, cousin. Allez, quoi? Arrêtez-vous, hé! Désolé. Merci quand même. Si on passe dans l'autre sens, eh bien, ce sera aussi ma route. Désolé, mon pote! La prochaine, c'est la bonne! Dans le cercle, c'est pour faire du feu. Fais gaffe, garçon. Tu me cherches. Amusez-vous bien, les filles. Désolé. Je... Alors, Zach, quel est ton menu pour ce soir? Ah, oh, fais chier, c'est vrai. Je devais m'occuper de la bouffe. Pourquoi la bouffe? C'est pas de ça que je cause. C'est les filles qui s'en occupent. Je voulais parler de toi et Vicky. Parce que si tu as l'intention de dormir un peu cette nuit, je te conseille de planter ta tente loin de la mienne. À moins que tu ne sois pas dérangé par les hurlements qu'elle poussera à chaque fois que je lui mettrai un touchdown. Je peux rien faire, je suis coincé. Il y a 2 filles dans ma tente, vieux. Tu réfléchis comme tu lances, mec. Comme un naze. Est-ce que tu entends ce que tu racontes? Amène-toi. Sérieux? Tu devrais éviter les bangs au petit déjeuner. T'as plus que de la fumée dans la tête. T'es en train de te plaindre parce que tu dois dormir avec 2 nanas, mec. Ça tombe pas tous les jours du ciel, ce genre de case. Écoute, écoute. J'ai 2 mots à te dire. Triolisme. Ça fait 3 mots. Comme tu veux, mais... Merde, tu crois que ces 2 filles accepteraient de coucher comme ça, tranquille? Ouais. Toi, ne te couche pas. Je vais pas me coucher avec une paire de dames. T'as intérêt. Tu sais combien de temps je retiens ma respiration sous l'eau? Zach! 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 T'es pas noyé? Zach! Non. Hey, les gars, je crois que j'ai battu mon record. T'es un vrai enfoiré. Quelqu'un a chronométré? C'est stupide. T'es un idiot. Tu l'as dit. Payback, I'm gonna take it like a man. I was tripping, slipping, now you're falling through my hair. Yes, I did it, I hit it, but I swear it's just a thing. I still feel ya, don't really, I'm your king and you're my queen. Be my queen. I'll be your king. Won't you be my queen? Feel me now. Now tell me, when we gonna fuck the pain away? Your truth's another lie. Hey, s'il y a quelque chose à faire avant la nuit, c'est maintenant, hein? Après, il fera te ressembler. La nourriture est prête, il faut un feu pour la cuire. Alors on va faire un feu de joie, c'est ça? Vous allez voir, c'est génial le soir. Si elle redit c'est génial, je l'expédie dans la rivière. C'est génial. J'avais prévenu. Hey, Riff, je croyais qu'on devait aller s'étendre tous les deux, hein? N'oublie pas que je vais être bronzée, comme toi.
Riff adore les filles bronzées. D'accord, mais le bois d'abord. Ah, je vais aller avec lui. Je vais l'aider pour le bois. Tu coupes du bois depuis longtemps, Vicky. Hey, Riff, attends-moi. À tout à l'heure, les filles. On ne devait pas aller courir? Vas-y, c'est vrai, il te reste suffisamment de temps. Tant mieux, parce que Shane, mon coach personnel, dit que si on ne court pas une heure dans la journée, on n'a rien fait. Rien faire. Tu sais, moi, j'ai rien contre l'idée de rien faire. Tout le monde ne sait pas ne rien faire. Quand on sait ne rien faire, on est obligé de savoir tout faire. Let the fun begin. Let the fun begin. Let the fun begin. Quelle est cette chose? Un indice. Ça se pose au-dessus du feu. Un barbecue de voyage. Ah, mais c'est dégoûtant. Dégoûtant? Non, c'est prêt à saisonner et tout. Ça, c'est de la saucisse. C'est du serpent à sonnette. Goûte ça. Ah non, non merci. On sent encore le tabasco. Je suis désolée, mais c'est ça ou manger la viande crue. Je n'avalerai rien qui ait touché cette grille. Tu n'as pas un vrai barbecue? Eh ben, j'en ai un à gaz dans le van. J'ai aussi la bonbonne. Elle est vide depuis des années. C'est pas vrai, Zach. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu fumes aussi durant ton sommeil? Il te reste une année d'école à tirer. Une seule, d'accord? Alors écoute, tu devrais vraiment décrocher de cette merde. Sérieusement, ça te mène nulle part. Tu crois que tu te débrouilleras dans la vie si tu es toujours complètement à l'ouest? Kate, tu sais ce que ce charmant petit tête-à-tête me rappelle? Ma mère, quand elle me prend la tête. Tiens. Quels sont les débouchés pour les amateurs de fumettes? J'en connais des tas. Tu peux conduire des bus, tu peux être pilote d'avion, président. Yes, I can. Ok, d'accord. Je retourne dans ce trou à la con, voir ton pote nono, et je lui achète du gaz. Ça te va? Et tu comptes me laisser seul ici? Y'a que toi qui compte, c'est ça? Tu refuses de toucher à ma grille. Tu veux pas que je te laisse toute seule? T'as pas le choix. Tu vas rester gentiment ici et me regarder m'en aller. Je reviens dans 3 quarts d'heure, Maxi. Quoi? Tu as l'intention de me laisser ici toute seule? J'aime pas qu'on me laisse toute seule. Alors, Riff, tu t'es décidé pour l'année prochaine? J'en sais rien. J'ai un plan, si c'est de ça que tu parles. Oui, et quel est ce plan? Je vais être un viking. Un viking? Comme Minnesota. Les Minnesota vikings. Rien à foutre. Je me casse d'ici, Vic. Je fais une saison de plus et je tente les sélections. Et qui sait? C'est ce que le football nous enseigne. Faut avoir des buts. Certes, et en ce qui concerne le couple que vous formez, toi et Kate? J'en suis amoureux. En quelque sorte. Je la trouve canon. Mais quand les cours seront finis, ma vie risque de prendre une autre direction. Peut-être que je peux t'aider à choisir une autre direction. Je vois pas ce que tu lui trouves. Ouais. Je trouve qu'on formait un bien plus beau couple tout l'été. Tu ne trouves pas? Vic, qu'est-ce que tu fais? Tu manques à mon petit cul. Il n'aime pas qu'on le laisse sur la ligne de touche. Comme je disais, aucune loi. Dans l'immédiat, je suis avec Kate. Avec elle, au moins, j'étudie. On peut étudier les sciences naturelles? Vicky, stop. Elle te fera souffrir, au fond de ton cœur. Là où t'es le plus vulnérable. Comme Kate l'a dit, garde tes distances. Comme Kate l'a dit. Oh, elle va te faire souffrir. Souffrir un max. Alors comme ça, tu ne fais que ce que Kate te dit? Non. Elle ne m'a pas dit de faire ça. Qu'est-ce qu'elle ne t'a pas dit de faire d'autre? Elle ne m'a pas dit de faire ça. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur ça? Non.
approche, à toi. Hey, oh. Y a quelqu'un là? Kate? Oh, merde, merde. Tu sais, Riff, je suis moins idiote que tu ne le penses. Je suis surtout moins naïve que Kate. Mais, non, on était... Ah non. On était juste... Oh, range ton bois, t'as une branche qui dépasse. Oh. Ah. Quelle pétasse! C'est toi qui l'as amenée. Pour qu'elle fasse diversion. J'étais prête à tout pour tenir Kate loin de nous. Comme t'as dit, débute. C'est terminé, Vic. On a déconné. En plus, t'as tapé dans l'œil de Zach. Lequel? Son œil rouge ou son œil super, super rouge? T'as entendu ce que je viens de te dire? Il m'a laissé seule. Ce gars est un gros connard. Quel connard? Si elle n'était pas collée à son cou, il perdrait sa tête. Et Ashley n'est toujours pas là. Elle nous a vus. Enfin, nous l'avons vue. Elle faisait son jogging. Quoi? Hein? J'aurais dû y aller avec elle. Je te signale que c'est effrayant de se retrouver seule dans la nature. Ma puce, je vais la chercher. Riff, je viens de te dire que je trouvais effrayant d'être seule dans la nature. On va tous au bord de l'eau. Je vais la chercher. Elle est sûrement pas loin. Par contre, Riff, tu vas faire ce que Kate a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle sous-entend quoi? Tendre ta fille de rêve. Mais je te pardonne, tu peux me mettre de l'huile sur le dos. Mais en plein surtout et étale-la sur tout mon corps. Laisse-moi. Ça va pas le faire, Riff. Je suis toujours furieuse. Je suis là. Faut que je boive. Whisky et bière. Kate a osé entrer dans la forêt! Et j'en suis dingue. Au grand mot, les grandes déceptions. Hé, hey, qu'est-ce que tu as? Vaut mieux que je boive. Je suis furieuse contre Vicky. Pourquoi? Tu connais Vicky? Je la connais, ça oui, et c'est pour ça que j'angoisse. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Je n'ai rien fait. D'accord, alors raconte-moi ce que tu n'as pas fait. Je n'ai pas fait ça. Et je n'ai pas fait ça. Fais ça. Fais ça. Je me fous de ce que tu peux faire avec toutes ces salopes, mais t'approches pas de moi. Hein? Attends. Gros enfoiré. Tu t'es envoyé Vicky. Pas du tout, c'est vrai. Mais où tu vas? C'est toujours à moi qu'on fait ces plans. Yeah.
vie de rêve. Tu es... Où est poupée, sort de là ? Tu es... poupée ? Jacques ! Adi ! Tu... n'est pas... Qu'est-ce que vous... fille de rêve ! Tu es... poupée ! T'es pas... fille de rêve ! T'es pas... fille de rêve ! Ce jeu. Oh, j'adore ce jeu. Ashley ! Ashley ! Qui je vais tuer en premier, elle ou Zach ? Ashley ! Ashley ! Je te laisse. Mais je ne vais pas t'oublier. T'es le cadeau spécial prévu pour ma fille de rêve. Jacques a dit qu'on a de la compagnie. Vilain, vilain chien-chien. Je veux que tu rendes la main de poupée. Breaker One, quelle est ta position? On y va. Je me dirige vers la cible. Breaker One, reste en position. Nous arrivons. L'ennemi en approche. Continuons à nous amuser. Et il veut jouer. Ben on va jouer. Par là. Venez. Et approche-toi. Ok. C'est par là. Ouh. Il fait quoi là? Je vais lui envoyer une pastille en pleine face. Fini de jouer. Ready One! Ready One! Ready One! Oh, Reggie, qu'est-ce que tu as attrapé, montre à maman. Qu'est-ce que tu as attrapé? Oh. Je veux qu'il rende la main de poupée. Le chien-chien, il dort.
Molly, Molly, ça va? Ah, tu viens d'écraser Reggie One! Doucement, non, doucement! Non, c'était pas tué Reggie One! Calme-toi! Reggie One est morte! Non! Chien-chien est endormi. Si tu fais un pas de plus, mec, je te décapite! Jacques a dit que nous allons tous nous amuser à la balle! On va jouer tous les deux! Approche, connard! Oh, t'as oublié de dire Jacques a... Dis... Game over! Jacques a dit... Temps épuisé! Mort subite! C'est toi qui es game over! Méchant! Ouais, alors ça, c'est nul. Eh oh! Les gars, vous êtes là? Eh oh! Alors ça, c'est nul. Oh, madame est dégoûtée par ma grille. Le boulet. Eh oh! Il prend un peu de gaz de bonbonne à la con! Y'a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, fais chier, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il me faut rien qu'une bouteille de gaz. Bon, je vais me servir moi-même. Et tant que j'y suis, je prends un peu de bière. Les gars? Il y a quelqu'un? J'entre dans le frigo pour prendre quelques bières. Jamais me croire. Merde! Merde! Ah!
a de la chance. On vient te chercher. Oh putain de con. Merde. Foutre ici. Salut. Moi, ça devient un peu trop bizarre. Vous avez vu Zach? Il est allé à votre boutique. J'ai vu un van garé sur le côté, à 2 kilomètres de votre camp. D'après moi, il sera là dans quelques minutes. Vous avez vu notre amie Ashley? Est-ce votre copine, la fille un peu colorée? Elle est allée faire un jogging et son absence devient inquiétante, surtout dans le noir. Mon frère Simon est parti et il a disparu lui aussi. Il est probable que votre copine colorée et Simon se soient mis tous les deux en couple. D'accord, pour moi aussi, ça devient un peu trop bizarre. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Peut-être que Zach les a récupérés et que tu vas arrêter ton numéro de psychopathe. C'est Simon? Non, c'est Zach. T'es sourd? Faut que tu te calmes, bonhomme. Ashley est avec toi? Non, elle... Elle est pas là. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu as heurté? Un chien. T'as heurté un chien? Est-ce qu'il volait? Je me demande s'il a pas heurté votre copine colorée. Dis-moi que c'est faux, mec. Quand fais pas chier, c'était pas Ashley. Ça fait du sang quand même, hein. Mais il est où, le chien? Toi! Recule de ce van. Désolé, mais je suis un peu crispé, là. Vous voyez, à cause de Simon qui s'est volatilisé, ce n'est qu'un gosse. Collègue, j'ai heurté un chien à la con. C'était un chien. Bon, écoutez, Simon est probablement retourné au magasin. Zach, Simon était bien là-bas. Moi, j'ai zappé le magasin, j'ai oublié. J'étais en train de me balader quand j'ai heurté... le chien? Arrêtez-vous. Écoutez, notre ami Ashley a disparu. Pour l'instant, on doit vraiment tout faire pour la retrouver. Ouais... Bien! Alors, nous avons 2 voitures à notre disposition. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas d'une pierre 2 coups que l'une d'entre vous m'accompagne? Non! Zach! Faut qu'on aille chercher notre amie et elle compte sur nous, d'accord? C'est pareil pour votre frère. Je suis sûre qu'il doit vous chercher. Je suis désolé, c'est ma faute tout ça. J'aurais pas dû laisser les filles seules. À votre place, j'irai chercher votre frère. Il doit probablement avoir super besoin de vous en ce moment. Salut. Zach, ça veut dire quoi ce délire? Vous allez comprendre. Ce Jacques est une saloperie de tueur en série. J'ai trouvé un tas de cadavres là-bas. Il y avait même l'autostoppeur qu'on a croisé. Regardez. 2 jumeaux tuent leurs parents. Ils étaient peut-être parmi les corps qu'ils gardent. Ashley? Merde, alors les gars, venez. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Récupérez tout ce qui pourra servir d'arme. Prenez toutes les lampes, les téléphones portables, mais laissez tout ce qui peut nous ralentir. Ashley! Ashley! Ash! Ashley! 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 Ash! Ashley! 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 Chut! Écoutez. Vous entendez ça? Ashley!
Je déteste le camping. Ashley! Bon sang, elle est où? C'est mon frère, c'est Simon. Je sais pas à qui je dois faire confiance, qu'est-ce qui est vrai? Je vous dis la vérité, faites-moi confiance. Je comprends rien du tout, lequel des deux vous êtes? Jacques! Lequel êtes-vous, Simon? Jacques! Simon! Lequel des deux es-tu? Jacques! Ah. Simon! Simon est mort! Vous êtes lequel alors? Jacques! Je ne vais pas laisser Simon vous faire du mal! Pourquoi ça devrait toujours être lui qui s'éclate? Ça change. On ne pourra plus dire que les filles sont toujours pendues au téléphone, hein? Vicky! Hey! Jacques a dit que le temps est venu pour Jacques de s'éclater au maximum. Merde!
Merde. T'enfuis pas en courant. Cours. Ça va aller, tout est arrangé. Vous pouvez monter, je vous ramène. Je ne pars pas sans mes amis. J'ai appris la mort brutale de votre ami. Je suis bouleversé. D'autant plus que c'est Simon. Le shérif a bien sûr été averti. Et il doit être actuellement à sa recherche. Vos autres amis sont au camp. Vicky et Zach. Oui. Ouais, et aussi votre copain, ils vont bien. Et pourquoi ils sont au camp? Ils devraient être avec vous. Eh bien, votre petite copine, la blondinette, elle a été blessée. Mais c'était vraiment rien du tout. Elle s'est brisée un ongle. Ouais, elle est retournée à votre camp. Elle avait un peu peur à l'idée de se retrouver toute seule. Alors, t'as mis au gros bras, s'est proposé pour veiller sur elle. Je ne vous fais pas confiance. Vous mentez. Ouais. Écoutez, je comprendrais que vous refusiez de venir avec moi. Mais je suis conscient que nous avons pris un mauvais départ, vous et moi. Mais nous avons un genre de connexion. J'ai une idée. Vous allez rester ici. Et surtout, vous vous cachez. Je vais revenir. Je pars chercher le shérif, je le ramène ici et je vous récupère. Oui. Non. Vous êtes sûr qu'ils sont allés au camp? Oh oui. Ils sont sains et saufs. Si vous venez avec moi, vous serez avec eux dans 15 minutes ou 10, si la vitesse vous fait pas peur. Non. Claquez-la. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Claquez-la, allez-y. Laissez-moi vous aider. Ça va, merci. Oh, claquez-la. Claquez-la. Ce qui est arrivé à votre ami me désole vraiment. Mais je suis rassuré que vous, ainsi que vos autres amis, alliez bien. Vous feriez bien d'attacher votre ceinture pour votre sécurité. Je ne voudrais pas que quelque chose de malheureux vous arrive. Et laissez-moi vous aider avec ce truc. Bon sang, on n'est jamais trop en sécurité. Oh non, non. Ouais. C'est pour votre propre sécurité. Pitié, non. Toutes les ceintures de sécurité devraient être bien serrées. Surtout quand Simon et moi faisons de la conduite toute terre. Ouais. Ça vous arrive déjà. Attends de voir la suite. C'est la grosse éclate. Alors, ma fille de rêve. Mère. Et père.
Voudrais-tu un sandwich au poulet? Il faut que tu manges. Je dis ça sans vouloir te forcer la main. Ah, je suis désolé, c'est une de mes farces favorites. C'était aussi une des farces favorites de père, pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Essaie de faire un effort pour manger, autrement, mère risque de se vexer. Tu vois, mère, comme je l'aide à manger, Jacques a dit, Jacques est un très bon garçon. Allez, une bouchée pour maman. Je voudrais pouvoir le tenir. Détachez-moi. Tu as oublié de dire chaque année. Non. La prière. Oh, Seigneur. Amen. Et à table. Pas sans moi. Simon. Tu veux quelque chose à manger? Tu veux du porc? Ou ton plat préféré? Je t'ai pas entendu, désolé. Tu veux du porc? Ou ton plat préféré? Mon plat préféré. Assieds-toi. Fais voir tes mains. Tu me décevras toujours, frérot. Tu as oublié de dire... Jacques a dit! L'heure de ta mort est venue. J'ai dit ce qu'a dit, mais t'as pas entendu. Je te réserve quelque chose de spécial pour Simon. Tu lui dois bien ça. Et il le mérite. Alors tu vas payer pour ce qui lui est arrivé. Oh. Oh. Tu pourrais avoir de sérieux problèmes avec ça. Un coup de fil au shérif et bye bye, monsieur Fumette. Mais c'est extra parce qu'il y a une grande fête ce soir. On a de la chance. Bon, on va enrouler un costaud, comme tu disais. Et on va se remettre au travail dans la joie et la bonne humeur. Zach. Zach, pourquoi tu es revenu? Je te l'ai dit. Il n'y a que toi qui compte. Pour moi, il n'y a jamais eu que toi qui comptais. Tu es ma fille de rêve. Ça, c'est ce qui s'appelle un costaud. Fumons-le. Dégage.
Ajax. Ouais. Je suis sûr que tu pourras faire mieux que ça. Je sais reconnaître un fumeur de pétard quand j'en vois un. Tout ce qu'il te faut, c'est que je t'aide un peu pour rénaler. Ouais. Tu veux tirer une taf? Excellent choix. Vois-tu, je ne veux pas que père et mère imaginent que je fréquente ce genre de fille. Et je sais que toi, t'es prêt pour une autre soufflette. Kate! Kate! Au secours! Je croyais bien t'avoir dit que fumer peut tuer! Non! Non! Ça s'appelle le cri du démon. J'ignore à quoi c'est dû, mais ils font tous ça. Comme à Salem quand les sorcières furent jugées. Je peux te prêter un livre là-dessus. Que voulez-vous me faire? Jamais je ne lèverai le doigt sur toi. Peut-être que... mère va accepter de te raconter combien Simon était son petit préféré. J'étais le premier-né! J'avais un droit de naissance! J'étais celui choisi par la Providence! Mais ensuite, quand ils ont découvert que Simon n'était pas tout à fait fini, mère s'en est voulu jusqu'à la fin de ses jours. Elle aurait tout fait pour lui. C'était comme si je n'avais même pas existé! Je n'étais rien d'autre que l'ombre de Simon! Nous allons avoir besoin d'un peu d'intimité ce soir. Joyeuse. Rien n'est inexorable. Des spécialistes peuvent vous aider. La seule personne qui peut m'aider est juste ici. Je ferai tout ce que vous voudrez, j'en ferai même plus encore si vous me détachez. Ça a l'air d'être une excellente idée. Mais je ne suis pas aussi stupide que les Simon! Jacques, vous n'êtes pas stupide. Vous étiez le meilleur. Simon vous admirait. Même si tout le monde ne s'intéressait qu'à lui, il vous admirait. Ouais. Je promets de ne pas chercher à m'enfuir. De plus, je crois que... vous voudrez que je vous caresse un peu. Jacques, détachez-moi. Elle voit rien.
seront très discrets. Si vous avez mal, je vous embrasserai et vous ne sentirez plus rien. Allez, Jacques, tu t'es démené pour que nous soyons tous les deux seuls. Il est temps que quelqu'un fasse attention à toi. Je risque d'avoir besoin de mes deux mains. Tu aimes quand c'est violent? Je peux être très violente. Tu sais, la douleur et le plaisir sont parfois tellement proches que l'on a du mal à les séparer. Tu as eu ta ration de douleur, Jacques. Tu vas goûter au plaisir. Laisse-moi t'aider. C'est celui d'où j'arrive.
J'espère que ton jogging t'a fait plaisir. Parce que... ce n'est pas mon cas! Jacques a dit je suis... Jacques et Simon! Jacques et Simon! Simon est dans le coma depuis des années et j'ai pris sa place. Après tout, qui oserait condamner un attardé frappadingue? Tu sais ce qui est super quand je suis Simon? Les places de parking! Et maintenant que je sais que tu aimes plus Simon que moi, je vais te tuer! Je sais que tu es là. J'arrive à te sentir. Tu es toute proche. J'ai ton cou dans la bouche. T'as oublié de dire, Jacques a dit. Je vais t'attraper. Non, ça compte pas. Hé, hey, ça ouvre tout juste. On a de la chance. Fais quoi? Attends que le mec sort. Jacques. Jacques. Sérieux, le cadre est magnifique. Regardez. On dirait un fantôme. C'est vrai qu'elle est glauque. Elle nous montre un truc du doigt. Désolé, on n'avait pas parlé de fantôme. C'est nous. Hey, c'est flippant comme elle nous fixe avec son doigt. Oh. Hey, ça y est, elle se casse. C'était quand même pas un fantôme. Je veux bien que ça existe, mais pas dans ce trou perdu. Ah, oh. Je suis désolée, j'ignore pourquoi j'ai eu cette réaction. Simon. C'est... moi. Hé, hey, mec, vous êtes ouvert? Toujours ouvert. De 7h à 24h. Joey, dis-moi que c'est pas un attardé. Si je le faisais, je mentirais. Il nous faut juste de l'essence. Et des trucs à grignoter, des cochonneries et de la bière. Bière. Oui, de la bière. Glace. Vous payera? Ouais, la bière. Écoutez, s'il vous plaît, il faut absolument que vous nous disiez où on peut camper. On cherche un endroit particulier, situé dans le coin le plus éloigné et le plus sombre de cette forêt. Là où d'infréquentables individus commettent leurs crimes. Je peux faire ça. Alors, faites-le. Tu as oublié de dire, Jacques,
Simon faisait une blague. On va où alors? Voilà où il nous a dit. Ma fille de rêve, tu seras heureuse d'apprendre que tu vas pouvoir te divertir. Jacques a dit.